Dame la Team Shape, j'espère que vous allez bien. Team Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui à Team Shape, on va parler d'un point important: les veines, les petites veines. Comment réussir à faire ressortir ces veines? Et bien sûr, dans cette vidéo, on va parler des veines musculaires, pas d'une autre grosse veine qu'on peut avoir autre part sur le corps. Vous le savez, quand on est un pratiquant de sport et de muscu, les veines c'est un petit peu le graal. Vos muscles c'est le gâteau, les veines c'est la cerise. Si on a le choix entre un biceps classique et un biceps veineux, on prendra le biceps veineux. Déjà, prenez en compte que les veines, il y a un facteur génétique. Il y a des gens, ils sont veineux de base. Ils font même pas de sport, ils ont des veines partout, les chanceux. Donc si de base vous avez une bonne génétique de veines, vous pouvez de suite aller remercier vos parents. La taille et le nombre de veines varient suivant les personnes. Pour avoir des veines, premier point, l'alimentation. Vous devrez réduire votre masse grasse. En d'autres termes, être plus sec. Que votre peau soit presque collée aux muscles. Et pour ça, pas de secret, vous devez manger moins de calories que vous allez en dépenser. C'est la formule typique pour perdre du poids. En perdant de la graisse, vos muscles vont être plus dessinés. Vous serez plus découpé. Et du coup, les veines ressortent mieux. Il y a le soleil qui est en train de se lever. Bien sûr, il faut pas juste perdre du poids, il faut aussi bien sûr prendre du muscle. Il faut que vos muscles prennent de la place dans votre corps. Et si vous voulez faire une magnifique photo Instagram bien musclée et bien veineuse, faites-la juste après votre séance de sport, quand vous êtes encore congestionné. La congestion va amener pas mal de sang dans vos muscles. Il y a des compléments alimentaires type vasodilatateur qui existent. Perso, j'ai déjà essayé et au final, à part avoir moins de sous, j'ai pas eu plus de veines. C'est plus du marketing qu'autre chose. Certains marchent, certains moyens. Bon, suivez plutôt les autres conseils que je vous ai donnés. Ça coûte moins cher et c'est plus efficace. L'alcool peut aussi dilater vos muscles. Quand j'avais fait ma compète de musculation, j'avais pris un petit shot de whisky avant ma compète. Mais je vous recommande pas d'apporter de l'alcool dans votre shaker pendant votre séance de sport. La chaleur va aussi favoriser l'apparition des veines. Quand vous vous entraînez en extérieur, potentiellement vous aurez plus de veines qui vont apparaître. Mais une grande partie va être déterminée surtout par l'épaisseur de la peau. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des veines d'ailleurs. Et mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour chaque petite veine que vous avez. Car comme on le sait tous, avoir une grande veine implique de grandes responsabilités. Nous, c'est pas des petites veines qu'on cherche à avoir. C'est des gros câbles. Si vous suivez tous ces conseils, c'est pas une petite veine en forme de route de campagne que vous aurez, c'est une vraie autoroute. À présent, à Team Shape, si vous souhaitez perdre du poids ou prendre du muscle, vous pouvez télécharger mes programmes d'entraînement, le lien est dans la description. C'est un programme complet avec plein d'exercices et plein de conseils sur l'alimentation et la nutrition. Pour télécharger mes programmes, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, nouvelle vidéo tous les jours. Regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bouh!